Les éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, conférence pour la presse. N'ap salye population haïtienne. En particulier, serait à profiter salye chaque maman, chaque papa petit, cap monté massifé pour y voir comment vous avez tout le monde l'école. Serait étonné, serait consterné devant soi-disant décision, nous tendons moucher l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale prend pour y reporter l'entrée de Castac qui est prévue pour 5 septembre. Serait à dire moucher l'État, si ce qu'on fait, démagogie, parce que rentrer des classes là, l'idée automatiquement, il n'y a pas de cas ouvert. Si le mouché l'État n'a pas pris décision pour le déporter, il t'a juste assisté au constat qu'elle t'a pu rentrer des classes là, pas d'ouvrir. Comment nous comprendre, je dis à nous, un pays qui est instable sur le plan politique, côté plus depuis après 1986, le pays n'a pas jamais. Il y a un gouvernail côté qui a une continuité, un gouvernail qui est constant, qui a un programme bien détaillé pour le pays. C'est toujours chaque équipe qui vient, il dit retirez plus, moi-même pour ne mettre pas pour me faire peur. Là, nous regardons aujourd'hui sur le plan insécurité. Côté si nous avons fait un rapprochement de gouvernement qui se passe là, nous avons plus de foyers de gang, plus de zones qui occupent par bandits. Face avec le gouvernement qui s'est passé, on a demandé à l'État qui l'école qui n'était pas ouverte ce septembre. Là, nous entrons dans Chantel la vie. Nous avons un taux d'inflation qui passait de 29 à 36%. Je dis à là, nous avons dit que 4 mamites qui en vendent environ 420 dollars. Nous avons l'huile, 2350 dollars. On a demandé à l'État qui l'école qui n'était pas ouverte ce septembre. Là, nous regardons qu'il y a un problème carburant aujourd'hui à la crise endémique. Sous gouvernement passé, nous devons gagner 2 mois, nous devons gratter gaz. Nous devons faire 6 000 lacs, nous devons faire 3 mois. Je dis à la, mes amis, quand je parle à la, chaque monde là qui va dégager, achète un gallon de gaz dans la rue pour 250 dollars, pour 300 dollars, pour gagner une période de 6 mois là, nous ne pouvons pas rentrer en bas pour mettre le gaz dans la machine. Je demande à boucher l'État. Qui l'école qui devra ouvrir ce septembre? Là, nous avons le problème routier. Je dis à la, je demande combien d'années nous irons par l'État, côté nous, on va coloder, nous on crédit à passer nos routes. Là, nous avons la route nationale numéro 1. Sorti, zone Caso pour arriver, ça sur Bonaïve, là, nous demandé est-ce que c'est l'ambert ou est-ce? C'est des gros puits de l'eau, quand on a des machines, toutes couchées dans la machine pour caser, caoutchouc pas arrêté, pas de route. Là, nous prenons en Matissant, troisième circonscription, mes amis. Là, nous prenons le deuxième, troisième avenue. Là encore, c'est fatal, c'est colossal. Là, nous prenons le boulevard 15 octobre. Là, nous prenons route qui vous mène à nous gérer la bataille. Nous prenons le mouche l'État. Côté de nous ne pas passer pour y aller à l'école. Et je dis à là, face à tout problème sérieux, que le pays nous a entiré, je dis à la mouche l'État. Ce n'est pas dit nous reporter le ouverture des classes pour reporter. C'est prendre des décisions drastiques. Pour permettre jodi à la. Permettre jodi à nous gagner des dirigeants politiques qui ont pensé pays. Des dirigeants politiques qui ont pensé avec avenir jeunesse là. Avenir Timounio. C'est ça que nous avons besoin dans le pays. Jodi à ces grandes décisions. Au lieu de jodi à nous gagoter sur le fond FNEA. Pour nous pas bandit. Jodi à la c'est éradiquer bandit. C'est permettre de mettre des faits sociaux dans le quartier populaire, mettre l'école professionnelle pour retirer les armes qui sont dans le pays. C'est pas encourager à plus d'armes pour acheter des armes. Je dis à la demande, nous sommes sous gouvernement passé, nous avons une décision. Chaque fois que nous avons une inflation montée, nous avons des pouvoirs populaires, nous avons une banque centrale, nous avons été en formule, injecter comme sur le marché. Là, on injecte comme sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de nous là. Est-ce que nous pensons que ça nous donne qu'à guérir au cancer? Il y a des maladies, ce n'est pas pansement qu'on mette sous lit. Là où l'État ou prend aujourd'hui là, ou par exemple, t'as pas un grippe, ou un rhume, ou prend un rhume dans le monde, non, vous avez dit médecine traditionnelle là, vous avez pris un citron, vous avez pris un coupé rhume là. Vous coupé, ça passe pour nous, un fait secondaire. Vous avez pris un rhume dans le poulet, ou bien, ou est limité d'être ou pas en poussière, plus de la ria, vous avez pris un rhume.
Mais l'on rime comme ça, ou prend citron. C'est ça qu'on fait, l'on injecte comme là. L'on injecte un banque, on prend, et puis après, on voit encore, on va nous l'aide, 3 ou 50 gouttes, on va nous spaghetti, 3 ou 50 gouttes, après, on va absorbe, on va le péter dans des épées. C'est sous base ça. Nous-mêmes, on nous resserre, nous dit. Jodi à la, n'a plus mouché l'État. S'il va prendre décision qu'il faut, pour le permettre, lui porter assistance avec parents, parents aujourd'hui n'ont pas qu'à acheter le livre. Parents aujourd'hui n'ont pas qu'à faire uniforme. S'il va prendre décision pour l'assister à l'école qui est dans le quartier défavorisé, parce que je dis à l'État, le ministère de l'Éducation nationale, il y a des ailes. Il y a le zèle public et il y a le zèle privé. Je dis à l'autre, l'école privée, il y a représenté 80%. Il y a 10% au moins qui sont à l'école pour l'organisme. Il y a tout confort pour le permettre de fonctionner. Et c'est eux-mêmes, sous base confort d'Adamier, n'avons chaque année l'État injecté de gros fortes sommes l'argent pour eux. Mais qu'en est-il pour l'école qui est dans la Cité Soleil? Qu'en est-il pour l'école qui est dans la troisième circonscription? Qu'en est-il pour l'école qui croit des bouquets? Qu'en est-il pour l'école qui est en bas la ville? Qui s'est bouché l'État fait pour eux? Je dis là, nous condamnons énergiquement. Décision n'est pas prête à gaspiller l'argent pour FNE. C'est un programme suivant, n'est-ce pas dilapidé, de massacrer lui. Après, je dis à la nouvelle information là, Mouché l'État, par voie FNE, il a choisi, il a décaissé, il a coblé, il a pas chaque école 5 mois. Nous t'en mes amis. Dans la commune Cité Soleil, là, moi, je l'école, moi, ça, dans la commune Cité Soleil, il a porté le moment, je ne peux pas. Mais si vous dites l'école, ou que l'école, tout le monde, vous respectez tout. Est-ce que l'État qui a dit, il décaissé comme, non, comme qui a eu le droit. Il y a un corps qui a l'autre pour l'éducation, pour nous porter 5 membres, comme nous avons donc venu à l'école là. Mais je dis à la fin de l'école, il faut qu'on ait conscience. Il faut qu'on ait encouragé l'État dans la production, dans le détournement de faux la paix. C'est sous base ça. Nous-mêmes, on nous resserre. Nous avons écrit ILCC. Nous avons porté plainte pour moucher l'État. Pour tout le monde qui passait dans le fonds FNE, pour Joseph Franz Nicolas, qui garantait l'argent pour le FNE. Qui t'a supposé là pour permettre un petit monde à l'école. Mais je dis à la nous réitérer, nous dit FILCC, ça va être sorti à la rapport sorti à la, s'il besoin pour une guérison durable, je dis à la FNE pour l'aller. Nous demandons à ILCC, par voie serrée, je dis à la nous exiger que ILCC ait fait audit non FNE pour enquêter sur tout la 50 ans, parce que je dis à la. $50 diaspora à Bayo, sont $50 pour permettre Timoun à l'école. C'est sous base ça que je vous dis, je dis à la, si nous ne pouvons pas cuire, on a pris cuire, on ne peut pas cuire. Ariel Henry, ministre de Timanika, c'est parti là, prendre décision pour décision, des décisions qui ne sont pas adaptées à la système. Donc aujourd'hui, à nous, condamner. Le ministre de Timanika a choisi le petit jour là. 9e et 8e, 9e année fondamentale dans l'issue. Léon, comme ministre, vous prenez décision pour retirer la classe au niveau de lycée, ou dit pour mettre dans l'école nationale. Combien d'écoles nationales vous créez pour ça? Est-ce que c'est pas un moyen pour l'État ça augmenter l'élégance juvénile dans le pays? Est-ce que c'est pas un moyen pour l'État ça tout lui permettre à ce qu'il y ait plus de gangs que dans le pays au service? Donc c'est à profiter pour dénoncer mesures ça qui pas marcher avec la réalité, qui pas marier Macronet avec la réalité. Moun kap viv Cité Soleil, moun kap viv Bel Air, moun kap viv La Saline, moun kap viv Graville, moun kap viv Kwade Bouquet, moun kap viv Jalousie et La Trier. L'on bon milieu reculé en un pays que nous connaissons déjà qui a subi qui en bas, qui vivent en bas, réalité, eh bien, socio-politique paysan. Et je dis à la demande du ministère de l'Éducation nationale, qui salive les faits avec les parents ça? Qui salive les faits avec Timoun ça? Exactement en deux pays. Ou du moins, je demande à la ministère de l'Éducation nationale tout, est-ce qu'il y a un moyen pour permettre de la secrète là, retirer la main? Ou du moins tout, est-ce que c'est parce que pour permettre l'école Zamio rentrer, faire plus d'argent. Et côté parents, c'est la même l'argent pour payer l'école ça. Donc, nous avons dit ministère de l'Éducation nationale, ressaisis-le. Nous avons dit l'État haïtien, ressaisis-le parce que réalité ça, décision ça, pas marcher avec réalité pays. Merci.